pleine d'histoire et qui est située au, bien sûr au bord d'un très beau lac, entouré de montagnes. Et voilà, on peut faire énormément de choses à Annecy. Là, on ne peut jamais s'ennuyer. Il y a toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est en toute saison. On peut faire du ski à 17 km d'Annecy. Voilà, l'été, on peut nager, on peut se baigner dans le lac. Donc, c'est illimité, quoi. C'est aussi une situation stratégique, à proximité de la ville de Genève, à proximité également de l'Italie, qui est très proche, par le tunnel du Mont-Blanc. J'aime bien Annecy parce qu'ici, les gens sont très accueillants. Et n'importe quelle nationalité tu as, ils vont t'accueillir. Mais Annecy, c'est comme un rêve pour notre famille. C'est avec les montagnes, le lac, c'est une très, très belle ville. Quand je vais à Annecy et quand j'arrive ici, je pense pourquoi je ne suis pas né à Annecy. Le CILFA, c'est le Centre international de langue française d'Annecy. C'est une école de langue. De langue française pour les étrangers. Le CILFA est centre d'examen d'ELF et d'ALF pour les niveaux avancés. Donc c'est un diplôme international qui ouvre la porte de l'université, qui ouvre la porte du travail. Tous les professeurs sont très gentils et la classe est très convivial. Donc ce programme était très, très interactif, très intéressant. J'ai appris non seulement le français, mais aussi la culture française. C'est le fort, c'est très, très bien organisé. Le cours est très bien organisé. En 2007, le CILFA a obtenu le label Qualité français langue étrangère. Le label Qualité FLE certifie que l'offre linguistique et les services du CILFA présente les garanties de qualité attendues dans les 5 domaines de l'accueil, des locaux, des enseignants, des formations et de la gestion. Alors pour moi, le CILFA, c'est une école qui est très conviviale parce qu'elle est petite et elle permet vraiment d'entrer en contact avec les gens. L'année écoulée, nous avons accueilli au CILFA 235 personnes âgées de 32 ans en moyenne, de 17 à 77 ans, et de 51 nationalités différentes. Ce qui me surprend toujours et m'émerveille en même temps, c'est d'assister à la rencontre de personnes si diverses par leur origine, leur âge, leur motivation, et de voir que le simple fait de les mettre en relation suffit pour que se produise une espèce de petit miracle d'échange interculturel, toujours empreint d'une grande convivialité. Il n'est pas rare qu'après une pause de quelques mois, des étudiants reviennent suivre des cours au CILFA, et c'est pour nous le meilleur témoignage de leur attachement à notre petite école. De petites classes, le maximum 12 étudiants par classe. Et puis voilà, c'est comme une grande famille. Et puis en même temps, on est aussi centre d'examen du DELF, donc on a ce côté sérieux pour bien préparer les étudiants aux examens officiels. Vous êtes là, vous participerez, bien sûr. Donc oui, cette école est parfaite pour maîtriser la langue française. Le CILFA, c'est une école qui prône ce qu'on appelle la méthode actionnelle. Donc on cherche à faire développer aux étudiants des compétences qu'ils pourront réutiliser dans leur vie quotidienne ou professionnelle à certains niveaux, bien entendu. Donc la communication, les outils nécessaires à la communication. Chaque mardi et chaque jeudi, on offre le café ou le thé aux étudiants pendant la pause. Ça permet de se retrouver tous deux fois par semaine et de discuter de ce qu'on va faire le week-end prochain ou de ce qu'on a visité hier. Voilà, tout le monde peut parler, tout le monde est libre et
ça crée des liens entre les étudiants et puis aussi entre les étudiants et le personnel du SILFA. Moi, je suis la secrétaire du SILFA, donc je m'occupe de renseigner les futurs étudiants qui pourraient venir au SILFA. Et quand ils sont ici, je m'occupe d'eux, de leur hébergement. Quand les gens veulent ouvrir un compte en banque, quand ils ont des papiers en français qu'ils ne comprennent pas, donc ils viennent me voir pour que je puisse les aider, tout ce dont ils peuvent avoir besoin quand ils sont ici. Une autre particularité de notre école est de proposer une grande variété d'activités culturelles, linguistiques, artistiques, sportives, toutes organisées par nos enseignants. Ces activités permettent d'ouvrir la classe de langue sur le monde extérieur. Chaque activité, c'est de faire parler au maximum les étudiants pour rentrer en contact avec les Français et pratiquer la langue dans un contexte moins académique. C'est pas parce qu'on est en dehors de la classe qu'on ne travaille pas, loin de là. C'est vraiment un aspect très important de l'apprentissage. Et là aussi, c'est une source de motivation, de découverte pour les étudiants. Envie de chercher une ambiance amicale et conviviale, je recommande vivement de choisir le SILFA.